salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le PokéJT, l'émission 100% actualité Pokémon de la semaine. Si vous regardez ça bien entendu en rediff sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi tout simplement me rejoindre en live sur Twitch et en réalité c'est sans doute le meilleur soutien que vous puissiez m'accorder. Alors, le programme de ce PokéJT de cette semaine va être quand même assez chargé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de le faire ce soir parce que je suis pas là ce week-end et du coup je voulais absolument le faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de news dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, la première, c'est bien entendu l'arrivée du Pokémon Home dans Pokémon Écarlate et Violet. Enfin, le Pokémon Home est disponible sur le jeu, la compatibilité est arrivée et ça, ça fait extrêmement plaisir. Derrière, on va parler de Pokémon Masters avec l'arrivée de Adamantin et de Nakara dans Pokémon Masters. Vous savez bien entendu à quel point j'aime Nakara, qui est un peu ma copine de Légende Arceus. On va enchaîner avec les Argus qui arrivent dans Pokémon Café Remix. On va parler très brièvement du TCG avec l'application, la sortie de Pokémon JCC Live ainsi que de l'extension Écarlate et Violet Évolution à Paldea. Et enfin, on va parler de Pokémon Go. Et alors là, ça va être vraiment le gros morceau puisqu'on a l'annonce de la prochaine saison, la saison des gemmes cachées. On a l'annonce de la saison 15 de la Ligue Go avec les buffs et nerf, même s'il n'y a pas de nerf en fin de compte, des attaques, les coupes, etc., etc. On va parler des événements et notamment l'arrivée de Trépassables dans Pokémon Go et enfin l'annonce du Community Day Coupenote. On a aussi une petite modification dans la boutique de Pokémon Go qui est censée être arrivée aujourd'hui. Je n'ai pas allumé mon Pokémon Go aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'est arrivé, mais de ce que j'ai vu, c'est bien arrivé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, on va commencer directement du coup avec Écarlate et Violet puisque le Pokémon Home est enfin arrivé dans le jeu. La mise à jour du Pokémon Home et sa compatibilité avec Pokémon Écarlate et Violet est enfin disponible depuis ce mardi 30 mai. Est-ce que je me permets de me gonfler un peu les chevilles? Oui, ainsi j'ai pu devenir le premier streamer au monde à terminer le ruban challenge en récupérant les deux nouveaux rubans, celui de Hisui et celui du maître de Paldea, réunissant ainsi les 89 rubans sur Philibert Montgalam à précisément midi 40. Hein. Ce mardi, je suis le tout premier streamer à avoir terminé le ruban challenge et ça se fait extrêmement plaisir. Alors avec le Pokémon Home, vous pouvez récupérer les starters avec leur talent caché en transférant un Pokémon de Écarlate et Violet vers le Home. Vous pouvez aussi bien entendu récupérer Mordudor forme marche sur Écarlate et Violet en le transférant depuis Pokémon Go. On a aussi 90 Pokémon transférables dans Pokémon Écarlate et Violet grâce au Pokémon Home. Alors voilà la liste que je vous affiche juste derrière moi. Alors il y a plusieurs formes différentes, hein, notamment les Arceus. On a vu les Pikachu un peu plus haut. Et c'est pas fini parce qu'il y a aussi tous ceux-là, voilà, qui sont, hop, dont ceux qui sont derrière moi, le fameux Mordudor forme marche, bien entendu, qui est arrivé dans Pokémon Écarlate et Violet. Alors, dans le lot, on a pas mal de légendaires et fabuleux comme Arceus ou Meloetta. Meloetta qui fait beaucoup parler de lui, hein, actuellement, sur Smogon, du coup, en format solo. On a aussi les formes de Hisui, quelques formes d'Alola ou de Galar, genre Trio Picker d'Alola ou ce Flagados. Flagados, lui, c'est ça, fait Flagados de Galar, bien entendu. Au passage, on a Goupelin aussi. Alors, Goupelin qui devait être dans les raids 7 après le retour de Blindépic, mais vu toute la merde qu'il y a eu au final, il est directement transférable via le Home. Alors, on verra est-ce qu'il y aura un raid 7 quand même sur Goupelin ou pas dans Pokémon Écarlate et Violet. On verra. Ces Pokémon ne sont pour l'instant pas jouables dans les deux formats officiels, le solo 3v3 ou le duo 4v4, aussi appelé VGC, puisque en effet, nous venons de terminer la saison 6 des combats classés ce jeudi 1er juin, et donc nous venons de commencer la saison 7 qui reprend le règlement C. Alors pour faire simple, c'est celle qu'on a déjà, à savoir on peut jouer tous les Pokémon du jeu en dehors de Coraidon, Miraidon et un peu tous les Pokémon qui se sont rajoutés avec des raids ou des distributions, genre la famille de Salamèche, Serpento et Vert de Fer, ainsi que tous les nouveaux Pokémon transférables via le Pokémon Home. Et en gros, ce qui est vachement fort, c'est les trésors du fléau, surtout Yuyu, Dinglu et Baojian. Ceci dit, Game Freak a déjà annoncé le règlement D.
où cette fois-ci, nous pourrons jouer les Pokémon transférés depuis le Pokémon Home. Les règles sont juste là, voilà. Mais on ne pourra pas tous les jouer. On ne pourra pas jouer, les Pokémon transférables et les légendaires secondaires. On pourra jouer les Pokémon transférables et les légendaires secondaires, genre Regi et Leki. Voilà, tous les Pokémon qui sont jouables, je vous les affiche juste derrière moi. Alors c'est en petit, hein, vous m'excuserez, mais il y a quand même beaucoup de Pokémon, mine de rien, dans les Pokémon qu'on ne pourra pas jouer. Hop, c'est tout cela, les bandes Pokémon. On a tous les gros légendaires principaux, en gros les légendaires des jaquettes comme Zacian, Zamazenta, Mewtwo, Kyogre, etc. Sachant que Coraidon et Miraidon, ainsi que Serpentot et Verdefer ne seront toujours pas jouables. Les Pokémon Fabuleux aussi ne seront pas jouables, hein, comme Mew ou Meloetta. Les Pokémon Fabuleux sont très rarement autorisés. De souvenir, sur Pokémon Épée et Bouclier, il y avait eu une saison où ils avaient été jouables, mais globalement, Game Freak n'aime pas intégrer les Pokémon Fabuleux au combat classé. Pourquoi ça? Parce que c'est des Pokémon qu'on est censé avoir que via des événements. Or, vu que tout le monde ne peut pas faire ce genre d'événement, ils ne considèrent pas ça réglo de mettre les Pokémon fabuleux dans les combats classés, ce qui est plutôt sympa en fin de compte. Alors, ce nouveau règlement, il sera mis en place à partir du 1er juillet jusqu'au 1er octobre, et ce sera donc a priori, ça sera bien ça, ce seront les règles qui seront appliquées au Worlds, la plus grosse compétition Pokémon au monde. Et perso, je suis très curieux de voir quels Pokémon vont changer la méta. Est-ce que des Pokémon comme Regi et Leki, il y a aussi Elector, hein, qui est vachement fort en VGC. Je pense très honnêtement que Regi et Leki, de ce qu'on voit déjà actuellement, va être extrêmement fort avec le Terra Glace. Ce Pokémon risque d'être complètement broken et vu dans quasiment toutes les teams. On verra bien. En tout cas, Zacian, pour le coup, et Zamazenta ne sont pas encore jouables, donc ils ne seront pas dans la méta. Zacian, qui a beaucoup perdu, en fin de compte, avec son talent qui a été revu et corrigé avec l'arrivée sur Pokémon Écarlate et Violet. Zamazenta, qui risque, du coup, d'être un peu plus fort, après avoir, parce qu'il ne faut pas confondre le VGC et le solo, hein. Si vous suivez Fieldrong, Redemption, etc., ils vont vous parler de Pokémon qui risquent d'être extrêmement forts, mais en réalité, c'est Pokémon qui risquent d'être extrêmement forts en solo. Je reprends dans 2 secondes, j'ai juste oubliez mon Tropicana. Tac, tac, tac. Voilà. Un PokéJT ou un programme de Rutra sans Tropicana n'est pas vraiment un programme. Dans les news, en bref, alors on n'a pas de nouvelles pour le retour de Blind Epic dans les Red 7, ni de Fort Ivoire et Roue de Fer, qui devaient tous les deux avoir lieu le week-end du 19 mai. Alors, est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que ça va être annoncé ce week-end? Je ne sais pas trop. En tout cas, pour l'instant, pas de news. Et d'ailleurs, le week-end prochain devrait être distribué un Archéodong stratégique, et pour être plus précis, celui de Yasuharu Shimizu. Excusez-moi, j'ai très certainement écorché son prénom et son nom de famille. Je sais pas si Archéodong est vraiment si fort que ça. En tout cas, bon, il l'a prouvé puisqu'il va être distribué. Si vous voulez vous faire un Archéodong stratégique, vous pouvez bien entendu attendre la distribution de cet Archéodong. Voilà un peu pour les news sur Écarlate et Violet. Ça fait quand même pas mal de news, hein, l'arrivée du Pokémon Home. On va continuer directement avec Pokémon Masters, puisque nous avons, hop, je vous mets le gros plan, la petite vidéo. Nous avons, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, ce sont finalement Adamantin et Nakara qui ont débarqué dans Pokémon Masters, mais petite déception car ils sont pas accompagnés de Pokémon avec de forme de issue, hein, c'est juste Philali, Adamantin et Philali qui sont actuellement obtenables. Et on a aussi Nakara et son fameux Givrali. Et je tiens d'ailleurs à remercier, hein, tous ceux qui complètent mes infos dans les commentaires, car c'est clairement un jeu que je ne maîtrise pas beaucoup, Pokémon Masters. Et grâce à vos commentaires, etc., j'apprends beaucoup de choses sur le jeu en fin de compte. C'est d'ailleurs, j'ai vu dans les déceptions, il y a beaucoup de gens qui ont été un peu déçus qu'il n'y ait pas eu Dialga et Palkia dans les duos de Pokémon Masters, malheureusement.
Du coup, je disais, on a Adamantin et Philali qui sont actuellement obtenables via l'appel duo jusqu'au 10 juillet 2023, sachant qu'un autre duo avec Adamantin et cette fois-ci Aquali est offert en atteignant le niveau d'amitié 100 au salon des dresseurs avec Adamantin. On a aussi Nakara et Jivrali hein, qui sont eux aussi, de ce que j'ai compris, obtenable via l'appel duo jusqu'au 10 juillet 2023, sachant que on a appris que via le dernier message des développeurs que Nakara serait la prochaine à rejoindre le salon des dresseurs au mois de juillet. À part ça, jusqu'au 17 juin, nous avons l'événement entraînement avec Aurore et Luca où vous devrez affronter les héros de Sinnoh en jouant de préférence des duos originaires de cette région pour bénéficier d'un important bonus de force. Et on a aussi Rosemary et Morpeko de retour en festival mensuel, ce qui donne une nouvelle opportunité de vous, pour vous de la recruter et ainsi de pouvoir vous lier d'amitié avec elle dans le salon des dresseurs. Voilà un peu pour les news sur Pokémon Masters qui, je le vois, font beaucoup réagir le chat. On va enchaîner avec Pokémon Café Remix. Alors, ça va être très 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 rapide. Mais voilà, les Argus est arrivé avec les objectifs mensuels de juin. C'est tout ce que j'avais littéralement à dire sur Pokémon Café Remix. J'espère que ça vous a plu parce que je sais que c'est un jeu qui vous plaît énormément. On va continuer avec le TCG. Alors là encore, ça va être assez rapide. Le TCG, tout simplement, hop, la petite vidéo que je vous affiche juste maintenant. Le 8 juin, soit le jeudi qui arrive, sortira le Pokémon JCC Live, succédant à Pokémon JCC Online. Concrètement, c'est une application qui vous permet de jouer au jeu de cartes et surtout d'apprendre son fonctionnement. L'application sortira en même temps que l'extension Écarlate et Violet Évolution à Paldea, sachant que cette extension du jeu de cartes sortira en physique le vendredi 9 juin. Pour les plus attentifs, du coup, c'est le lendemain. Enfin, je vous ferai une petite vidéo pour tester Pokémon JCC Live la semaine prochaine. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir un peu au courant de Pokémon JCC Online. Hein, du coup, à ne pas confondre avec, de Pokémon JCC Live à ne pas confondre avec Pokémon JCC Online. Hein, ça me fait toujours rire un peu quand ils changent un nom de jeu pour au final être quasiment la même chose. Mais c'est différent, c'est nouveau. C'était un peu comme Pokémon Masters qui est devenu Pokémon Masters X. Et d'ailleurs, j'appelle à chaque fois Pokémon Masters. Et là, ça y est, hein, on va attaquer vraiment le gros du gros avec Pokémon Go. Déjà, on va commencer avec l'annonce de la nouvelle saison de Pokémon Go. La saison J'aime cacher. Encore une fois, on note les noms d'événements incroyables de Niantic. Une saison qui semble mettre l'accent sur des parcours à parcourir. Parcours à parcourir, merci beaucoup Rutra pour cette phrase. Ce qui nous fait beaucoup penser, alors ça me fait extrêmement rire parce que regardez, il y a un mec qui veut affronter un Mega Junko, il se ramène avec son Amphinobi, je lui souhaite bien du courage mesdames et messieurs. Du coup, je le disais, ça semble un peu mettre en avant le route maker hein, qu'on trouve dans les codes du jeu depuis un an où en gros l'idée serait de créer un parcours où les gens pourraient ensuite faire que les gens pourraient ensuite faire pour, j'imagine, avoir une récompense. On rappelle que les saisons durent 3 mois et que donc la saison J'aime cacher se terminera le 1er septembre 2023 à 10h. On rappelle aussi qu'il y aura bien entendu le GoFest pendant cette saison J'aime cacher. Hop, on se met juste là. Au niveau des bonus, hein, du coup, pendant ces 3 mois, nous aurons une hausse des dégâts infligés pour, par les Pokémon durant les raids à distance, un échange spécial supplémentaire par jour, un bonbon supplémentaire par échange, un bonbon L garanti par échange au niveau 31 et plus. Autant vous dire que les gens vont en profiter pour faire des doubles comptes, ce qui va gonfler les statistiques de Niantic qui pourront à la fin de l'année dire « Oh mais regardez, on a deux fois plus de personnes qu'avant, c'est complètement incroyable !» On rappelle bien entendu que les doubles comptes sont censés être interdits par Niantic, mais qu'ils rapportent bien plus d'argent à Niantic et c'est sans doute pour ça que c'est toléré. On va voir bien entendu des rotations de spawn, hein. Alors dans les apparitions massives,
Qu'est-ce qu'on va avoir dans les milieux urbains, donc dans les villes, on a tous ces Pokémon-là. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Alors, on a Zigzaton de Galar pour Ixon, un Pokémon vraiment très très fort en format super et hyper. On a Magneton pour Magneton en format super, mine de rien. Et Magnezone en format hyper aussi qui peut être intéressant. Je crois aussi que Magnezone est fort en raid, mais sans doute dans sa forme obscure. Alakazam hein, aussi peut être intéressant pour les raids. Dans les milieux ruraux, donc dans la forêt, qu'est-ce qu'on a? On a Paras qui peut être intéressant, bien entendu. Bonjour tout le monde dans le chat. Paras qui peut être intéressant pour la poussière d'étoiles. Noix de coco qui est un peu fort, mais bon, on va dire que ça va. Et Brocélum, bien entendu, pour Dessaignante, même si de ce que j'ai compris, Dessaignante devrait être moins fort dans la nouvelle saison de PvP Pokémon Go. On verra bien. Miaus aussi pour la poussière d'étoiles. Ah oui, ce Miaus là aussi rapporte beaucoup de poussière d'étoiles. Je me souviens plus. Dans les coins montagneux, qu'est-ce qu'on va avoir? Le fameux Insolourdeau, bien entendu. On a Onyx, bien entendu, un Pokémon très fort. Steelix, un Pokémon très fort en format super et en format hyper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Noacier qui peut être intéressant en vrai en PvP en format super. Limonde qui peut être intéressant en format super, mais c'est surtout Limonde de Galar qui est vraiment très très fort. Et Mamambo en coupe passion qui est vraiment extrêmement broken. J'ai jamais essayé vraiment de le tester, Mamambo en PvP en dehors de la coupe passion. Mais dans la coupe passion, c'est clairement le Pokémon le plus fort. Alors, on me dit dans l'oreillette que le Miaus de Galar, il me semble que c'est celui-là, le Miaus de Galar, rapporte 750 poussières d'étoiles. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à le chasser. Dans les près des océans et des points d'eau, qu'est-ce qu'on a? On a Bekipan, un Pokémon vraiment très très fort en format super et potentiellement peut-être éventuellement en format hyper avec des bonbons L. Surtout en format super. Disons, surtout en format super. Je pense que c'est le plus simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dentikris qui a pu être intéressant à format alternatif, mais bon, globalement, voilà, c'est pas un Pokémon non plus extrêmement broken, je pense. Dans l'hémisphère nord, voici les Pokémon que nous aurons. Donc, on aura les starters de la 3G, bien entendu, qui peuvent être forts hein, en tant que méga évolution pour les raids. Et dans l'hémisphère sud, en vrai, ils ont vraiment des Pokémon plus intéressants. Ah, quoique, il y a Mini Draco aussi. Dracola, c'est un Pokémon vraiment très fort en format Master et en format super et hyper, éventuellement dans la forme obscure. Par contre, eux, regardez, ils ont Ossature d'Alola qui est vraiment très très fort en PvP en format super. Metalos, du coup, qui peut être très fort en format Master et dans les raids. Et les starters de la 4G, on a Tiplouf, bien entendu, extrêmement fort. Ouais, ceci dit, nous, on a Gobou dans l'hémisphère nord qui peut être vraiment très fort aussi pour le format super. Ouais, ouais, bon, on va dire que ça se tient, en vrai, on va dire que ça se tient. Au niveau des œufs, dans les œufs 2 km, voici tout ce qu'on a. Azuril, très intéressant pour Azumarill en format super. On a Toudoudou, qui peut être intéressant, Toudoudou et Melo pour Melodelph et Gros Doudou en format super. C'est des Pokémon que j'aime bien jouer. Je préfère Gros Doudou pour son double type, bien entendu, parce que j'aime beaucoup le type normal, en fin de compte, qui a sa double résistance spectre. Dans les œufs 5 km, qu'est-ce que nous avons d'intéressant? Ténéfix. Alors, Ténéfix, on le préfère dans sa forme purifiée pour son accès à retour, mais bon, ça peut vous faire farmer des bonbons. Puisque pour le format super, il faut qu'il y ait des bonbons L. Prédastéri aussi, qui peut être un peu intéressant en format super. Dans les 7 km, on a les formes de Hisui. Et pour le coup, il y a Quillpic qui peut être intéressant. Farfurex, qui est aussi, je pense, un peu intéressant. Mais bon, qui ressort pas non plus énormément, je trouve. Dans les 10 km, qu'est-ce qu'on a? On a Misdibul, qui peut être intéressant en format super, mais peut-être plus dans sa forme obscure. Dratak pour les raids, Emolgain intéressant de temps en temps en format super, Trioxydre, il me semble que c'est fort pour les raids. Dans les suivis d'exploration maintenant, hein, vous savez quand vous parcourez suffisamment de kilomètres toutes les semaines, dans les œufs 5 km vous aurez ces Pokémon là, encore une fois. Alors Charcos qui peut être intéressant pour les raids, Bastiodon pour le format super, Démanta qui peut être fort pour le format super, et Limonde encore une fois pour le format super, même si on préfère Limonde de Galar. Et dans les œufs 10 km, qu'est-ce qu'on a? On a le tout à fait de Galar, tout est écrit, un Pokémon plus ou moins fort, on va dire, en format super. Et à part ça, bon bah oui, Lucario qui peut être intéressant de temps en temps. On va voir des nouveaux Pokémon pendant cette saison, à savoir Strassi, Bakabou et très passable, mais pour l'instant Strassi, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Mais on va reparler de Bakabou et très passable un peu plus tard.
Les apparences de métamorphes seront ces Pokémon-là, voilà, complètement incroyable. Et pour finir, pendant la saison J'aime cacher, nous aurons Articodin obscur dans les raids obscurs disponibles en shiny. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je n'ai toujours pas fait de raid obscur, mais et j'ai pas eu de retour d'ailleurs sur les raids obscurs. Je sais pas si c'est vraiment extrêmement stylé ou pas. Vous me direz, bien entendu. On va avoir une journée axée sur les études de terrain qui aura lieu ce samedi 3 juin de 14h à 17h, donc demain si vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, la journée chercheur d'or. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée chercheur d'or? Voici les Pokémon qui seront à l'affiche. Encore une fois, on revient sur Ténéfix, Barloge, Barbichon, Pokémon quand même assez excessivement fort, on va dire assez fort en vrai. En format super, Magikarp, Léviathan, un Pokémon très très fort en format master. Ça, c'est les Pokémon à l'affiche, ok, très bien. On va avoir un bonus d'événement, et alors ça peut être plutôt cool, puisque les Pokéstops peuvent devenir dorés sans module doré, et ça va intéresser tous ceux qui veulent faire évoluer leur Mordudor en gros magot, bien entendu, même si gros magot reste un Pokémon relativement médiocre en format, enfin en PVP ou en raid, en fin de compte. Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage, voilà, et certains dresseurs pourront même rencontrer les Pokémon suivants, alors pour le coup, excellent Gazumaris, c'est vraiment deux Pokémon vraiment très très forts en super. Chétiflore, en Ampiflore on peut le jouer, mais dans sa forme obscure, en format super. Mais dans ces cas-là, on n'a pas de race hein, si on joue un Ampiflore obscur en réalité. Aspicot pour Dardarian, qui peut être. Enfin, Dardarian, un Pokémon quand même assez fort en format super, peut-être plus dans sa forme obscure, mais avec Tunnelier, son attaque exclusive de Community Day, ou du coup avec une CT d'élite. Sachant que pour 1$ ou prix équivalent dans votre devise, vous pourrez accéder à une étude ponctuelle exclusive de cet événement. Et ça, c'est complètement incroyable, mesdames et messieurs. Tac, tac, tac. Du mardi 6 juin au 2023 à 10h au lundi 12 juin 2023 à 20h aura lieu un nouvel événement, Festival Aquatique Semaine de la Plage, où sera disponible pour la première fois Bacabou et son évolution très passable, qui évolue d'ailleurs simplement avec 50 bonbons. On va revenir sur Trépassable, mais niveau Pokémon, qu'est-ce qu'on aura? Bon, on aura un défi mondial, bien entendu, incroyable. C'est génial. Dans les rencontres sauvages, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Je suis désolé, hein, vraiment, on parle beaucoup de Pokémon Go. Si vous jouez pas à Pokémon Go, ça doit être un peu du charabia. Mais encore une fois, c'est le début de la nouvelle saison qui donne beaucoup d'informations, en fin de compte, sur ce jeu. Tentacool, Tentacruel, un Pokémon très fort en format super, voire en format hyper. Hippotrempe, alors Hippocéan fut une époque qui était quand même un peu fort en format hyper, mais bon. Marill pour Azumarill en format super, Goélis pour Bekipa en format super, on a Obelie pour Kaymorph en format super et hyper, avec ses deux attaques exclusives de Community Day, Poudreuse et Stalactite, bien entendu. Krabicoque qui peut être intéressant, son évolution Krabarak d'autant en temps format super, voire hyper en réalité. Viscus pour Moyade qui peut être intéressant en format super et hyper. Et certains dresseurs pourront même croiser des Démanta qui restent quand même assez forts en format super. Et Otaquin, Oratoria qui je trouve un peu surestimé personnellement pour l'avoir testé dans les trois formats. Mais selon le ranking de PvPoké, le Pokémon est quand même assez fort en format Master. Coquillasse et Starry, tu l'as dit, pour la poussière d'étoiles. Oh, incroyable, n'hésitez pas à farmer les coquillasses et les Starry pour la poussière d'étoiles, bien entendu. Au niveau des rencontres, de missions de terrain, on aura tous ces Pokémon-là, dont le fameux Bacabou. Bacabou qui ne sera pas en sauvage, qui sera dans les rencontres d'études de terrain. Toutes les missions d'études de terrain pourront faire gagner de la méga énergie de Tortank et Lagron, ce qui est complètement fou. On aura une heure vedette hein, le mardi de 18h à 19h, où cette fois-ci nous aurons 5 Pokémon disponibles. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans ces 5 là? Bah écoutez, je cherche encore. La durée des leurres pluvieux dureront... durée des leurres pluvieux x4. Voilà, vous vous démerdez avec cette histoire. On va voir une étude ponctuelle payante qui nous permettra notamment d'avoir une pause. Certains... Salut, Devrine, excusez-moi. Certains diront que c'est une pause surfeur. Moi, je trouve que c'est une pause bourrée. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Très honnêtement, est-ce que... Pff, oui, des gens vont payer pour cette pause.
Dans les raids, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous allons avoir Bakabou dans les raids, une étoile. Nous allons avoir Quillfish de Hisui qui peut être éventuellement un peu intéressant pour son Quillpick. J'en ai déjà parlé. Dans les raids 3, Léviator qui peut être intéressant. Locklass qui est une sorte de Kaymorph en moins bien, mais bon, vous pouvez essayer de l'avoir quand même. Cré-Elf, Cré-Follet et Cré-Fadet dans les raids, sachant qu'on le rappelle, c'est des Pokémon légendaires régionaux. Hein, donc voilà, Cré-Elf, vous l'aurez en Asie-Pacifique, Cré-Follet en Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde, et Cré-Fadet dans les Amériques et le Groenland, sachant que vous pouvez utiliser des passes de raid à distance pour avoir les trois, ce qui est plutôt super stylé. Et dans les méga raids, méga Lagron, sachant qu'on va aussi avoir de nouveaux objets pour nos avatars. Alors autant le chapeau je trouve plutôt cool, autant la tenue de plongée je la trouve quand même assez ridicule. Alors maintenant on va parler de trépassable, puisque bien entendu je ne vous ferai pas d'analyse du Pokémon, hein, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, mais on va quand même en profiter pour parler de trépassable. Sachant que bon, j'ai pas encore toutes les infos, donc on en reparlera très certainement au prochain Poké JT. Trépassable qui semble quand même plutôt alléchant, hein, en réalité. On a le même double type que tout est écrit, un double type Sol Spectre du coup qui peut être intéressant. C'est quand même beaucoup de résistance, même si, regardez, on n'a que 5 faiblesses, mais ces 5 faiblesses quand même assez chiantes, hein, en réalité. C'est un peu compliqué. Il a aussi des stats très correctes, hein, 178 en attaque, 178 en défense et 198 en endurance. Pas quelque chose d'extrêmement folichon, mais disons que c'est des stats plutôt cool, notamment pour le format super et hyper. On note que le Pokémon il monte à 2444 PC max sans Bombrel, du coup plus optimisé vers le format hyper, mais pour le format super c'est pas dégueu. Et encore une fois, c'est des stats quand même relativement similaires à tout est écrit, hein, grosso merdo. Comment il s'appelle, trépassable, voilà, je vais y arriver. C'est un tout est écrit, moins bulky, mais un peu plus offensif. Voilà. Mais surtout, en réalité, ce qui intéresse beaucoup avec trépassable, c'est qu'il a de très bonnes attaques avec tir debout en attaque immédiate, Balombre, Telluriforce Force ou Tourbissable en attaque chargée. C'est vraiment un très bon set sur ce Pokémon. Alors, à voir s'il sera meilleur que tout est écrit. Qui reste quand même fort, mais quand même pas très présent par rapport à l'engouement qu'il génère quand on parle de tout est écrit. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de tout est écrit, on dit mais oh là là, mais regardez ce Pokémon, il est vraiment très très fort. Et pourtant, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on le voit pas tant que ça. On le voit, mais on le voit non plus pas énormément. Enfin bon, bref, on continue avec le Community Day Coupe Note qui a été annoncé pour le samedi 10 juin de 14h à 17h, qui sera bien entendu disponible en Shiny, un Shiny complètement magnifique, un Tranchaudon. Et si vous l'évoluez justement en Tranchaudon, il apprendra la fameuse attaque Abattage qui est littéralement un Dracogriff en mieux. Dracogriff, vous voyez, en PvP, 50 dégâts pour 35 énergie. Abattage, 50 dégâts pour 35 énergie. Sauf que, en plus de ça peut baisser l'attaque de l'adversaire. Mais en même temps, c'était quand même assez compliqué, hein, de rendre meilleur Tranchaudon avec une attaque. Vous noterez quand même que j'avais prédit et le Pokémon et l'attaque du Community Day. Et c'est quand même plutôt stylé. J'avais prédit le Pokémon il y a au moins un an. Et l'attaque, dès que j'ai vu l'attaque arriver, je me suis dit, ah bah, ce serait franchement une bonne idée de mettre Abattage sur Tranchaudon pour son Community Day. Parce que, bon, c'était un peu la seule solution qu'on avait. Et à mon avis, vu qu'on a déjà eu un autre Community Day Dragon cette année avec Bruivern, nous n'aurons pas de Community Day Muplodocus cette année. Donc, pas de semi-légendaire en Community Day pour 2023, puisqu'on le rappelle, mais Bruivern et Tranchaudon ne sont pas des semi-légendaires comme Metalos ou Muplodocus, pour le coup. Ceci dit, il y a peut-être moyen qu'on ait Muplodocus Shiny pour le GoFest, mais en vrai, je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus. Voilà pour ce Community Day. Moi, personnellement, c'est un Community Day qui me hype quand même pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, c'était un Community Day que j'attendais en réalité. Et enfin, on va parler de la nouvelle saison de la Ligue Go, la saison J'aime cachée, hein, du coup, qui a commencé ce 1er juin et qui se terminera donc dans 3 mois. Au niveau des formats, alors on reste sur une logique de
un format général sur 2 semaines, hein, le format super pendant 2 semaines, le format hyper pendant 2 semaines, le format master pendant 2 semaines, etc., etc. Et on a un format alternatif chaque semaine. Alors, je vous affiche là le planning de toutes les coupes que vous pouvez bien entendu retrouver sur le site Pokémon Go Live. Hein, vous tapez ça sur Google, vous allez tomber dessus assez facilement. Pour éviter de faire trop long, on va parler du format actuel et du prochain. Comme ça, vous pourrez vous préparer, sachant que, bon, je vais pas forcément parler du format super qui, au final, j'ai regardé le ranking, change pas non plus énormément avec tous les changements d'attaque, etc. Mais du coup, cette semaine, nous avons la coupe été édition Ligue Super. Et la semaine prochaine, nous aurons la coupe été édition Ligue Hyper. Donc, Ligue Super 1500, Ligue Hyper 2500, bien entendu. Et à chaque fois, on ne pourra jouer que des Pokémon de type normal, feu, eau, plante, électrique et insecte. C'est un format qui, il me semble, est déjà arrivé hein, dans Pokémon Go. Donc, l'édition Super jusqu'au 8 juin, l'édition Hyper jusqu'au 15 juin. Au niveau du ranking, qu'est-ce que ça donne? En format super, on a Roucarnage qui est vraiment très très fort. Derrière, on a Excavarène, on a Predastéry, Duboule aussi, etc., etc. En format hyper, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois Roucarnage avec des bombes. On a Viridium. Alors Viridium, pour le coup, il se fait poutrer l'anus hein, par Roucarnage. On a Elector aussi, Obscur, Victini. Buzzwool en format hyper, ouais, le format hyper c'est vraiment compliqué hein, pour des formats alternatifs. Moi personnellement je suis pas extrêmement fan des formats alternatifs en format hyper, mais enfin bon, bref, on va parler un peu des autres trucs, hein, voilà, on a un week-end de combat Clay. Alors Clay, si je dis pas de bêtises, c'est le cowboy de la 5e génération qui sera la récompense hein, d'ailleurs, les objets d'avatar. Récompense, hein, si vous avez le rang As, vous recevez le chapeau et les chaussures de Clay, bah voilà. Au rang vétéran, vous recevez le pantalon, le t-shirt, puis au rang légende, vous recevez la pose. Très honnêtement, c'est sans doute les pires qu'on ait jamais eu de tout Pokémon Go. Genre, j'ai vraiment aucune envie, aucune hype à l'idée d'avoir cette pose et cette tenue dans Pokémon Go. Vous noterez d'ailleurs que c'est... Alors, c'est parce que je fais des miniatures, mais l'animation est vraiment très très mal faite en réalité, par rapport au décor. Mais enfin, bref, on s'en fiche. Du coup, on a un week-end de combat Go Clay, le samedi 1er juillet jusqu'au dimanche 2 juillet, où on aura 4 fois plus de poussière d'étoiles et on pourra faire 100 combats pendant le week-end, ce qui est plutôt cool. On pourra jouer en format Master Majeur et en coupe Monotype édition Ligue Super. On va avoir un événement Championnat du Monde. Ah oui, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais pendant les... Enfin, du coup, le format qu'on a là actuellement, le format dont je vais parler après avec les boosts sur certaines attaques, les buffs sur certaines attaques, etc., etc., eh ben, ce format sera celui des Worlds Pokémon Go. Donc, c'est quand même un format sur lequel on doit s'attarder un peu puisque toutes les modifications qu'on a là importeront pour les Worlds, encore une fois, la plus grosse compétition Pokémon au monde. Du coup, on aura du vendredi 11 août au mardi 15 août un événement championnat du monde incroyable, certainement comme l'année dernière. Voici tous les Pokémon dans les récompenses de passage de rang. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Eh bien, écoutez, on a Regourmand pour Ongrigou. En vrai, Minotaur aussi peut être intéressant pour le format hyper et master surtout. Grignot pour Karchakrok en format master et pour les raids, bien entendu. Le fameux Pikachu Catcher, sachant que... Ah, il n'y a que Coupnot, Grignot et Pikachu Catcher qui sont disponibles en Shiny. Je pensais... Ben non, Minotaur est disponible en Shiny maintenant. C'est bizarre. Bon, bref. Dans les rencontres standards, voici les Pokémon que nous allons avoir. J'espère qu'ils vous font excessivement plaisir. On va voir bon, le fameux passe d'études qu'on connaît déjà. Et les coupes, etc., etc. On a 2 nouvelles attaques, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle saison. À savoir Feuillage et Aquabrèche. Aquabrèche qui est une attaque chargée. Et Feuillage, une nouvelle attaque immédiate. Alors, Feuillage, je suis désolé, je suis obligé de vous montrer sur PvPoké puisque GamePress n'a pas encore mis à jour. Je sais que c'est pas très beau visuellement, mais bon, bah, c'est la seule chose que je peux vous montrer. Feuillage, du coup, c'est 6 dégâts, 7 énergie en 1 seconde. C'est un riposte avec 2 dégâts de moins ou un griffombre avec 1 énergie de moins. Donc, c'est quand même... plutôt fort Feuillage en réalité comme attaque immédiate de type plante bien entendu. Et on a aussi Aquabrèche hein, du coup en attaque chargée. Une attaque qui fait 70 dégâts, 45 énergie et qui a 30% de chance de baisser d'un cran la défense de l'adversaire. Ce qui est quand même
assez proche d'un surf, alors sans le boost à chaque fois, enfin le nerf, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les 30% de chance de baisser la défense de l'adversaire d'un cran. Du coup, c'est un surf en réalité avec 5 dégâts de plus pour 5 énergies de plus. On a aussi, enfin, c'est aussi assez proche d'un hydroblast qui. Alors attendez, c'est 5 énergies de plus pour 10 dégâts de moins qu'un hydroblast, voilà. Et c'est aussi 10 énergies de plus pour 15 dégâts de plus qu'un balombre. C'est assez fort, on va dire, Aquabrèche, mais plutôt OSEF pour une attaque chargée de type eau, dans le sens où elle ressemble à beaucoup d'autres attaques chargées de type eau. Et on va le voir, mais globalement, on peut argumenter que c'est un surf en moins bien, même s'il y a quand même 30% de chance de baisser la défense d'un cran à l'adversaire. Au niveau des attaques, ce qui est plutôt quand même intéressant, hop, on se remet juste là, c'est qu'il n'y a eu que des buffs des attaques, il n'y a eu aucun nerf des attaques, et ça c'est plutôt stylé en réalité. On a Stalactite qui est passé à 65 de puissance, on a Crochet Venin qui est passé à 45 de puissance. Alors c'est marrant parce qu'il me semble que Crochet Venin de base était à 45 et qu'ils l'ont un peu nerf, à moins que c'était l'énergie qu'ils avaient nerf. Roulade qui était encore buff, hein, qui est passé à 5 de dégâts. Bouboum qui passe à 60 de puissance au lieu de 55. Et Canon Graine qui passe à 60 de puissance, mais qui a une augmentation du coût d'énergie. Donc pour le coup, il y a quand même un petit nerf sur Canon Graine, voilà. Et enfin, il y a beaucoup de Pokémon qui vont apprendre de nouvelles attaques. Et on va les faire un par un. À chaque fois, je vous dirai si, selon PB Poké, ce Pokémon sera meilleur avec cette nouvelle attaque et combien il est dans le ranking. Sachant que je ne vais pas non plus extrêmement m'attarder sur oh là là, regardez l'impact qu'il va avoir sur la méta. On a Sableron d'Alola qui apprend Tunnelier, du coup, qui sera joué avec et qui passe en format super 53e et 29e dans sa forme obscure et en format hyper 54e et 40e dans sa forme obscure. Un Pokémon quand même à surveiller. On a Melodelph qui apprend Vent Féerique, qui sera sans doute plus joué avec Charme, puisque avec Vent Féerique, il passe en format super 116e et en format hyper 28e. 28e en format hyper, c'est quand même quelque chose à noter en fin de compte. Gros Doudou qui apprend Voix Enjôleuse, qui le rendra peut-être un peu plus rapide. Il sera joué avec en format super et il passe 128e. Donc on peut argumenter que c'est un Melodelph en moins bien, même si je préfère encore une fois le double type de Gros Doudou. On a Aquaqua qui apprend Aquabrèche. Alors selon PB Poké, il sera joué avec et passe en format super 346e meilleur Pokémon et 335e dans sa forme obscure, et en format hyper 261e et 274e dans sa forme obscure. Du coup, pas un Pokémon qu'il faut vraiment regarder, même si c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup, puisqu'il a accès à beaucoup d'attaques, notamment Coupe-Croix, Laser-Glace, etc. etc. Plutôt marrant, Lamantine, il apprend Tunnelier et Aquabrèche. Alors il sera joué avec Tunnelier, mais pas avec Aquabrèche, et en format super, il passe 38e meilleur Pokémon. Quand même un sacré buff, il me semble qu'il était quand même bien plus bas depuis quelques saisons. On a Crustabri qui apprend Aquabrèche. Il sera joué avec en format super et passe 421e et 418e dans sa forme obscure. Encore une fois, pas un Pokémon dont il faut vraiment regarder le potentiel. Enfin, pas un Pokémon très fort en tout cas. Si le classe est un Kémorse en moins bien, Crustabri est un le classe en moins bien, si vous voyez ce que je veux dire. Aqualie qui apprend Aquabrèche, il sera joué avec seulement au format hyper où il passe 212e meilleur Pokémon. Togetic qui apprend Vent Féerique, il sera joué avec et passe 151e meilleur Pokémon en format super, sachant que, on le rappelle, il est meilleur que Togekiss en format super. On a Marest, alors pour le coup Marest très intéressant, il apprend Boubombe, il sera joué avec et passe en format super 17e et 11e dans sa forme obscure. Clairement un Pokémon que je vais très simplement tester. Je pense que lundi je vous ferai une vidéo PVP Pokémon Go où on testera un peu la nouvelle méta. Et je pense que dans la team fera partie Marest. On a Tyranocif qui apprend Centrifugifle. Il sera joué avec et passe en format master 80e et 75e dans sa forme obscure. Je parle pas des formats super hyper puisqu'il est relativement nul même encore maintenant. Et ce ne sera a priori pas joué sur lui en raid.
puisque Morsure, enfin Machouille, apparemment est meilleur en raid. Bon voilà, Tyranocif, Centrifugif. Après, c'est un Pokémon que j'apprécie pas énormément en réalité en format Master. On a Vasilis qui apprend Éboulement. Alors ça, c'est vraiment très très cool, puisqu'il me semble qu'avant, il avait que Lame de Roc. Clairement, un buff du Pokémon qui sera joué avec Éboulement du coup, et qui passe en format Super 71e et 86e dans sa forme Obscure, et en format Hyper 111e et 141e dans sa forme Obscure. On a Armaldo qui apprend Aqua Brèche, qui sera joué avec et passe en format Super 581e meilleur Pokémon et 492e dans sa forme Obscure. On a Musteflotte qui apprend Aqua Brèche, qui sera joué avec et passe en format Super 729e meilleur Pokémon et en format Hyper 550e. Voilà. On a Groudriff qui apprend Feu Ensorcelé, qui ne sera pas joué avec, hein. Clairement son set est déjà de base beaucoup trop stylé. On a la famille de Blizzarawa qui apprend Feuillage, mais Blizzarawa ne sera pas joué avec, il continuera d'être joué avec Poudreuse qui charge plus vite ses attaques chargées. On a Tarinorm qui apprend Et les canons, qui sera joué avec et passe en format Super 140e et 266e dans sa forme Obscure. Clairement un Pokémon n'a pas joué dans sa forme Obscure. Alors, ça m'a surpris, Heatran il apprend Teleiforce, excusez-moi, mais ne sera pas joué avec, on continue de le jouer avec Tête de Fer, excusez-moi, encore une fois, avec Dance Slam ou avec Lame de Roc, mais on ne le joue pas avec Teleiforce. Je pense que ça peut valoir le coup, en réalité, Teleiforce sur Heatran. Enfin, bref, on a... Oula, excusez-moi. Décidément, j'ai un truc coincé dans la gorge, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Clamiral qui apprend Aqua Brèche, mais ne sera pas joué avec, bien entendu, puisque maintenant, il a accès à Hydroblast, qui est bien meilleur. On a Farfaduvé qui apprend Canon Graine, mais ne sera pas joué avec, puisqu'il a appris, la saison dernière, Vent Féerique. On a Megapagos qui apprend Aqua Brèche, mais ne sera pas à jouer avec, puisqu'il a déjà Surf, qui est meilleur. On a Emolga qui apprend Acrobatie, qui sera joué avec, pour le coup, et qui passera en format Super 88e meilleur Pokémon. On a Omassacre qui apprend Aqua Brèche, qui sera joué avec seulement en format Super, et il passe 406e meilleur Pokémon. On a Fumécire qui apprend Feu Ensorcelé. On a Polagriffe qui apprend Aqua Brèche, mais lui aussi il a accès à Surf, du coup ce ne sera pas joué avec. On a la famille de Brindibou qui apprend Feuillage. Alors pour le coup, comment il s'appelle, Archéduc sera joué avec Feuillage, et il passe en format Super 411e, en format Hyper 405e, et en format Master 347e. Je vous avoue que quand j'ai vu que Archéduc allait avoir une nouvelle attaque immédiate, je me suis dit, putain, trop cool, ça y est, enfin. Parce que le Pokémon, vraiment, il a trop cher, mais ça le rend vraiment mauvais. En plus de ça, il a, pour le coup, Feuillage, on a vu plutôt une bonne attaque immédiate de type plante. Malheureusement, bah, ça suffit pas encore à le rendre meilleur. Peut-être qu'avec Vega Attack, ça le rendra encore une fois meilleur. C'est un Pokémon qu'il va falloir travailler sur le long terme pour le rendre meilleur, parce que vraiment, là pour l'instant, il sort des égouts. Clairement, c'est un Pokémon que j'ai envie de tester avec Feuillage, très certainement, vous verrez ça lundi. On a Oratoria qui apprend Voix Angeleuse. Ça sera joué avec, puisque actuellement on le joue avec Pouvoir Lunaire qui est un peu lent. Voix Angeleuse, on rappelle, c'est pas forcément une mauvaise attaque chargée de type fée, c'est juste qu'il y avait pas beaucoup de bons Pokémon qui avaient accès à cette attaque jusqu'à présent. Du coup, il sera joué avec et il passe en format Super 300e meilleur Pokémon, en format Hyper 232e et en format Master 82e. Encore une fois, ça c'est un Pokémon très très hâte de le voir avec Hydroblast. Hydroblast, Voix Angeleuse, je pense que ça peut vraiment le rendre très fort, parce qu'actuellement on le joue plus avec Voix Angeleuse et Psycho, parce que bon, son attaque chargée au type O c'est Hydro Canon. Pas vraiment très très intéressant. Mais le problème aussi, c'est ses attaques immédiates, hein. Il a que accès à Cascade ou à Charme. Ça, il mériterait d'être un peu plus rapide. Là pour l'instant il est un peu trop passif ce Pokémon en réalité. On a la famille de Mimantis qui apprend Feuillage. Alors ça sera joué sur Floramantis, mais que en format Hyper, et il passe 159e meilleur Pokémon. On a Samurai qui apprend Aqua Brèche, ça sera joué avec et il passe en format Super 191e et en format Hyper 26e et en format Master 62e. Quand même, le Pokémon est actuellement 26e meilleur Pokémon du format Hyper avec Aqua Brèche. Plutôt intéressant. Et enfin, le dernier Pokémon qui a un changement de move pool, c'est Oursaking qui apprend Point Glace. Il sera joué avec, mais que en format Hyper et en format Master. En format Super, il continuera d'être joué avec Point Éclair. Il passe 484e meilleur Pokémon et 488e dans sa forme Obscure en format Hyper. Et 31e et 41e meilleur Pokémon dans sa forme Obscure en format Master. Du coup, un Pokémon quand même vraiment fort en format Master. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces changements? Dites-moi dans les commentaires. Moi, personnellement, je vois pas vraiment, à part certains Pokémon en réalité, genre
Marest, hein, qui semble vraiment devenu très fort, voire Vasilis. Mais c'est des Pokémon que de base on croise pas énormément et je sais pas si on va les croiser plus que ça avec ses attaques. Peut-être Melodelph éventuellement, avec Vent Féerique, on le croisera peut-être un peu plus. Peut-être Sablero d'Alola, c'est un Pokémon qui m'hype aussi, même s'il a vraiment des faiblesses assez chiantes. Je sais pas trop. Marest semble vraiment le gros vainqueur de tous ces changements de move pool. Mais est-ce qu'il sera plus joué qu'un Lagron? J'ai quand même du mal à y croire. Enfin, pour terminer ce PokéJT, on a une mise à jour de la boutique qui ne devrait pas tarder à arriver si ce n'est pas déjà fait, hein, pour le coup. Qui nous permettra de mieux voir nos tenues. On pourra aussi enregistrer nos tenues pour les mettre dans le placard. Voilà, c'est plutôt intéressant. Et bon, bah, tout simplement, on verra mieux. Hein. Je pense simplement l'ergonomie est refaite, tout simplement. Cette mise à jour réserve encore bien des surprises. La barre de navigation horizontale va être remplacée par une barre verticale à gauche de votre avatar. Les dresseurs pourront parcourir les différentes catégories. En fait, ce qui va être vraiment intéressant en fin de compte avec cette mise à jour, c'est qu'on pourra mieux voir les objets sur notre avatar avant de les choisir. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Sachant que va y avoir des prix bradés à l'occasion de cet événement. Bon, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà pour ce PokéJT qui est clairement le plus long des PokéJT que j'ai jamais fait pour l'instant. 45 minutes, c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces news. J'espère que le PokéJT vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien entendu, si vous regardez ça en rediff, mettre le pouce, vous abonner, activer la cloche, le petit commentaire qui fait extrêmement plaisir et qui aide au référencement. C'est pour ça que j'insiste quand même pas mal là-dessus. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Passez un très bon week-end. Et moi je vous dis à plus. Salut.